Salut les bégués, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui tout simplement pour vous dire que j'annule le stream de ce soir parce que le stream d'hier, pour ceux qui ont essayé d'être là, enfin je sais pas si vous avez essayé en tout cas mais ça n'a pas fonctionné tout simplement parce que j'avais préparé une petite magouille pour streamer depuis la PS4. Alors j'ai commandé le matériel nécessaire pour streamer on va dire correctement mais hier du coup j'ai pas pu, je le reçois lundi, donc à partir de lundi normalement je vais pouvoir faire des streams comme il faut quoi. Alors ce que j'appelle comme il faut, c'est tout simplement pour que vous ayez la plateforme de stream telle que vous la voyez quand vous allez voir les streamers qui sont sur PC en fait, c'est-à-dire avec Twitch Alert qui fonctionne, donc toutes les alertes qui vont se mettre si vous followez, la discussion qui s'affiche correctement, etc. Alors pourquoi je stream pas avec le truc de PS4 de base? Tout simplement parce que c'est extrêmement limité. Déjà tout ce qui est alerte, vous pouvez oublier. Si jamais on stream depuis la PS4, on est obligé de passer par leur système, c'est-à-dire d'utiliser, d'être forcément en jeu pour pouvoir streamer, d'avoir la ligne qui s'affiche sur le côté en bande noire si on veut qu'elle s'affiche, sinon on voit pas du tout les commentaires qui sont liés au stream, et d'utiliser la PS caméra pour avoir la tête en haut à droite. Donc voilà, et là du coup je peux vous transférer le stream normalement comme ça. Mais du coup j'avais pensé une petite magouille pour passer par un logiciel tierce. Alors moi j'utilise le recorder Elgato, du coup j'avais le logiciel Elgato avec, et avec ce logiciel on peut justement utiliser tout ce qui est Twitch Alert, tout ça, comme un peu OBS en fait finalement. Du coup l'idée c'était d'envoyer le stream depuis la PS4 sur un compte YouTube qu'on s'en bat les couilles, tu vois, pour pouvoir utiliser le flux PS4, et de me servir de mon PC et du logiciel pour rediriger donc le faux stream vers le bon stream, tout en utilisant les alertes. Voilà, le truc c'est que ça demande une connexion de malade mental finalement, vu qu'il y a deux streams qui partent en même temps, et j'ai pas pu le faire parce que ma connexion est un petit peu pourrie. Donc vu que c'est pas possible, je vais attendre de recevoir le matériel tout simplement pour pouvoir mettre la caméra, machin, tout ça depuis le PC et record depuis le PC uniquement sans forcément passer par le stream PS4. Donc ça sera tranquillement à partir de lundi. Et là on aura quelque chose à mon avis de propre. Alors je vais voir si la connexion tient sur le stream en passant directement comme ça. Et si c'est pas le cas, j'utiliserai la 4G pour streamer. Donc il n'y aura pas de problème à partir de lundi. Normalement tout devrait fonctionner comme il faut. Sinon à part ça, demain je vous affronte hein. Donc je vous rappelle aussi, demain sur PS4 à partir de 18h. Donc de 18h à 20h à peu près hein. Ce sera peut-être plus long hein. On verra, j'essaierai de faire passer un maximum de groupes. Donc je rappelle juste la méthode pour pouvoir faire ça, donc PS4, fort au nord évidemment sur PS4, et à partir de 18h vous m'envoyez des messages en privé sur le compte Buglandshad de PS4, que vous m'ajoutez en ami hein, bien entendu, vous m'envoyez votre dispo, comme quoi vous êtes dispo à partir de 18h, et moi je vous invite dans l'ordre en fait où j'ai reçu ces messages, je vous fais passer par groupe de 3, et on va s'éclater, on va se rooster tous ensemble. Voilà, donc je vous tiens informé de l'avancement du Twitch, d'autant plus que du coup je voulais faire The Last of Us et Nier Automata directement en live avec vous, qui sera retransmis directement sur la chaîne hein, pour ceux qui peuvent pas voir les lives en direct. Donc ça passera dans la section full game de la chaîne, et à côté de ça faire tous les jeux justement que je fais pas en temps normal, donc pourquoi pas du Battlefield, du Call of, du Paragon, du Smite, du Rocket League, du enfin tous les petits jeux que j'utilise pas trop et que vous voyez pas justement sur la chaîne, mais que je joue aussi de mon côté. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like pour le soutenir. Merci aussi aux tipeurs et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao.